Pentacle et pentagramme, deux termes similaires mais qui représentent en fait deux choses différentes. Le pentagramme est l'étoile à cinq branches. Le pentacle est l'étoile à cinq branches avec le cercle autour. Voilà, vous coucherez moins con ce soir, des bisous. Je déconnais, revenez! En fait, c'est bien plus compliqué que ça. D'ailleurs, un pentacle n'est même pas forcément composé d'une étoile à cinq branches. Mais on verra ça plus tard. Pour l'heure, générique! Donc, comme je le disais, pentagramme c'est une étoile à 5 branches. Du grec penta pour 5 et de gramma pour ligne, lettre, caractère d'écriture. Car oui, en calligraphie, un pentagramme est un caractère composé de 5 éléments. Mais là n'est pas le sujet. Mais ce symbole, d'où vient-il? Eh bien, son apparition remonte à très loin, 3000 ans avant notre ère chez nos chers amis sumériens. Avec le signe oub qui signifiait angle, coin ou région. Vers moins 2600, le pentagramme, ou kibratu en acadien, représentait les cieux, gauche, droite, avant, arrière et dessus, ainsi que les planètes connues, Mars, Jupiter, Saturne, Mercure et Vénus pour la pointe supérieure. Car Vénus, aussi appelée Inanna ou Ishtar, était la reine des cieux. Bien plus tard, 2000 ans après, on retrouve ce symbole chez les pythagoriciens qui utilisaient ce symbole pour se reconnaître entre initiés, mais aussi pour se saluer et se souhaiter la bonne santé. En inscrivant ce symbole en fin de lettre. C'est quand même drôle que Pythagore, que tout le monde connaît grâce à son théorème, soit un personnage que l'on retrouve souvent dans la sphère ésotérique. Au fil des siècles, le symbole a été pris par un peu tout le monde à un peu toutes les époques. On le lit aux cinq éléments, eau, terre, feu, air, éther. C'est un symbole de mariage, l'union féconde du principe masculin qui est 3 et du principe féminin qui est 2. Léonard de Vinci, dans son Homme de Vitruve, va utiliser le pentagramme pour représenter l'homme parfait. Et en cosmologie, l'humain est aussi associé à l'étoile. C'est également le symbole païen du féminin sacré, un culte de la femme qui vénère la déesse et la nature. Mais c'est aussi un symbole que l'on inscrivait sur les maisons pour se protéger du mauvais sort. Mais forcément, ça a été diabolisé par l'Église, qui a décidé d'en faire un signe diabolique et satanique. Pourtant, l'Église utilisait aussi ce symbole pour représenter les cinq plaies du Christ. Les mains, les pieds et la blessure au flanc fait avec la lance. Évidemment, c'est un symbole satanique. Ça, putain, c'est malheureusement ce qui nous en reste. À l'endroit comme à l'envers, c'est associé au mal. Surtout lorsque l'étoile est renversée, dont la forme n'est pas sans rappeler une tête de bouc, avec les deux cornes et une barbichette. Et elle est aussi stylisée avec la tête du Baphomet, utilisée par l'église satanique lavéienne. Et qui n'est pas une représentation du diable, mais un symbole spirituel. Qui plus est, l'église ne voue pas non plus un culte au diable. Plus tard, certains courants ésotériques, comme les Wicca, vont se réapproprier le symbole, éloignant toute notion satanique. Le pentagramme à l'endroit représente l'humain positif, et à l'envers, l'humain négatif. Ce n'est pas la dualité bien-mal, les gentils à l'endroit, les méchants à l'envers. C'est plutôt une question d'élévation spirituelle. À l'endroit pour les humains élevés, à l'envers pour les humains qui sont matériels, qui suivent leurs besoins animaux et qui ne voient pas d'intérêt à s'élever spirituellement. Et attention, ce n'est pas un mal, nous ne sommes que des humains, la vie est déjà assez dure comme ça. La voie de l'élévation est longue et semée d'embûches. La simplicité de la vie est tout aussi appréciable. Pour Eliphas Lévi et d'autres, c'est un peu différent. Le pentagramme correspond au microcosme, à l'humain animal, matériel, et l'étoile à six branches, le sceau de Salomon, correspond lui au macrocosme, à l'humain élevé. Bien, on a vu le pentagramme. Mais le pentacle du coup, c'est juste le fait de l'entourer? Alors oui, et non, car une étoile entourée en ésotérisme s'appelle bien un pentacle, le sceau de Salomon entouré devient le pentacle de Salomon, mais un pentacle c'est pas forcément juste ça. Le pentacle est un symbole magique par excellence. Lorsque son premier usage a été répertorié en 1555, on l'identifiait à un talisman. Et en effet, on le retrouve dans de nombreux grimoires pour se protéger comme un talisman, que l'on porte autour du cou par exemple. C'est un symbole de protection, mais aussi un symbole d'invocation. Et ce genre de symbole, il y en a de toutes sortes. Avec une étoile à 5 branches, avec une étoile à 6 branches comme le pentacle de Salomon, et ça aussi c'est un pentacle, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. On l'utilise lors de nos rituels, comme cercle de protection, mais aussi comme objet pour pratiquer certains rituels. J'ai déjà dit dans ma vidéo sur les 4 éléments que le pentacle était associé à la Terre, qui a pour point cardinal le nord. On place un pentacle en bois par exemple au nord dans un cercle d'invocation.
On retrouve également le pentacle comme arcane mineur dans le tarot, à côté de la baguette, de l'épée et de la coupe. Et là aussi, il est associé à la terre. Pour finir, j'aimerais dire un mot sur l'essence des pentacles et des pentagrammes. N'ayez pas peur, ce ne sont que des figures. Ce ne sont que des outils, et c'est la force, l'énergie ou la foi que vous allez insuffler dedans qui va faire en sorte que la magie opère. Qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, on s'en fout. Si un démon veut venir vous taper la discute, il va pas attendre que vous mettiez une étoile à l'envers. Et pareil pour un ange. S'il veut vous aider, c'est pas le sens de l'étoile qui va influencer son geste. Une étoile renversée n'est pas un symbole de mal absolu et qui va faire apparaître des démons de l'enfer. Vous pouvez avoir des étoiles renversées dans vos chambres sans que le mal n'y mette les pieds. Tout va bien. En revanche, si tous les jours vous arrêtez pas de vous dire devant l'objet « Oh là là, c'est un vilain symbole qui va faire apparaître un démon !» Il y a une possibilité, et encore, qu'à force, une entité soit attirée. Mais ce n'est pas l'objet, c'est vous qui l'aurez appelé tous les jours sans le vouloir. Sur ce, merci pour votre attention. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de ma chaîne. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... à la prochaine.